Nous sommes repartis pour notre survie. Survie qui s'est pas trop bien passée la dernière fois. La dernière fois, on est tombé sur des loups. Beaucoup de loups. Des loups gris. On en a tué deux. Et un troisième est parti avec une flèche. Donc on va devoir essayer de trouver cette flèche. On va devoir changer d'arc. On va devoir retrouver les flèches. On va devoir... recrafter des flèches. On va devoir faire pas mal de choses. Et on avait perdu pas mal de vie aussi à cause du froid. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est... J'avais dit que je voulais aller attaquer le loup noir qui traîne dans le périmètre. Et peut-être en faire un pambania. Je pense. Donc je pense qu'on va faire ça. On va voir un peu. Il fait encore un peu jour. On pourrait continuer d'avancer aussi vu qu'on a tué la meute. Donc on devrait être tranquille pendant un moment. Mais bon. Ah, il fait... Ouh, il fait bien, il fait bon. Donc ce qu'on voudrait trouver du coup, ça serait peut-être des corbeaux. On va aller là-bas, je crois, peut-être voir. On va se balader un peu. Pas l'air de faire très froid. Ou alors, on va prendre... on va dépecer les cadavres qui traînent, mais bon. Il y a toujours l'autre loup hein, qui traîne. On va passer par là, on va essayer de remonter sur la droite. Voir si on trouve pas le... le loup... qui s'est enfui avec notre flèche. Je vois aucun corbeau, rien, donc je pense que on n'a pas de chance sur ce côté-là. Je crois qu'il était parti par là. Hein. Genre comme ça, là, il allait vers nous. Donc, ouais, après, en fait, il a pu aller un peu n'importe où. Bon. Je sais pas, on va se balader, je vais prendre du bois et après je vais voir ce qu'on fait exactement. Genre on va voir un peu ce qu'il y a là. Là on avait visité là, je me rappelle plus. Mais ouais, la dernière fois ça s'est... Enfin on n'en est pas mort, rien et tout, donc ça va, hein, mais c'est un peu triste en fait. C'est un peu bête. Oui, on t'avait fouillé, toi, je me rappelle. C'est un peu bête, c'est un peu du temps perdu, des flèches perdues. J'aurais bien voulu que ça se passe mieux. Bon, du coup, on va continuer sur la gauche. Bon, loupé. Peut-être monter. Après peut-être qu'on était un peu plus loin quand même de la route. On va voir. On va voir. Mais je vais être honnête, ouais, je suis pas super fan quand il y a des choses qui se passent comme ça. Où on est obligé de faire demi-tour et tout. Et puis le coup de perdre des flèches, c'est ça qui me gêne en fait. On a de la corde là. On va le noter sur la carte. Je sais pas exactement ce que c'est ici. Je vais être honnête, je sais pas. Le mieux, ça serait de monter, hein, mais j'ai pas vraiment envie de me fatiguer. Quoique, on a combien ? I need to find some place to escape this cold.
C'est un peu haut, hein. C'est un peu haut, mais... Ça devrait passer. On va voir. Puis en fait, le mieux serait de dessiner quand on est en haut, évidemment. Comme ça, on peut couvrir plus de... Là, une zone plus grande et tout. Après, je me demande, est-ce que, du coup, c'est... Est-ce que c'est notre chemin? Est-ce que notre chemin se termine ici ou pas? Ok, genre, comme ça. On va avoir froid, c'est pas grave. Ok. Too cold. Genre là du coup on retombe sur la... Je pense que ce chemin peut-être sert à rien en fait. Je crois que c'est une sorte de raccourci. Je pense. Ah non, l'éboulement. Y'a pas un éboulement qu'on pouvait pas passer? Je sais pas où on va. Bon, je crois que la flèche, on l'a perdue. Hein. Là, par contre, faudrait trouver un chemin. Non, faudrait trouver un abri plutôt. Oh, maison! Ah, je pense que ça, c'est le chemin qu'on empruntait. Ouh, il est là. Oh, la chance de ouf, quoi. La chance. On va se mettre à l'abri. Oh, mon Dieu. Oh, c'est classe. Oh, il y a des lapins. Ah, je vais être honnête, c'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé. Hein. Des fois, la chance nous sourit un peu. On fait un peu le tour du périmètre et tout ça. Ah merde, c'est pas une maison fermée. Mais c'est pas mal. Bon, après, on a du bois. On peut faire un feu. Est-ce qu'il fait chaud, là? Non. Là. Ok, non plus. Oh, des allumettes. Ok. Du coup, on a un problème. Attends, moi, je voudrais vraiment un endroit... Pas vraiment d'endroit, en fait. Merde. I think I can use this. Oh. Bon, allez. Loop, non. Loop parce qu'on a mauvais temps, hein, pas parce qu'on est en dessous d'un... Oui, non, là, on a mauvais temps. Oui, ok. Bon, on va se réchauffer parce que sinon, on va commencer à crever. Ce sera un peu con. Ok. On a plein de bois, donc ça va. Honnêtement, j'aime pas faire du feu maintenant, parce que le feu, c'est bien pour bah, faire de la boisson, tout ça, machin, quoi. Là, juste pour se réchauffer, c'est un peu bof, en fait. Mais bon, on a pas mal de choses. Donc ça va, on peut, entre parenthèses, gaspiller. Un peu gaspillé. Oh, on en a 4. D'accord. Ok, très bien. Par contre, ce que je veux faire... Est-ce qu'on a encore des pierres sur nous? On a encore des pierres. Ok, ça marche. Ce que je veux faire, c'est ça. Non, champignons. Hop, on va le boire. Comme ça nous réchauffe surtout.
Voilà, très bien, et on va mettre ça, cuir. Voilà, très bien. J'aime pas chasser à la pierre, honnêtement, c'est très très aléatoire. What? Okay. On est d'accord que la pierre l'a ricoché sur le lapin. Hein. Mais bon, ça permet de d'éviter de, d'utiliser des flèches. Parce que utiliser des flèches, on le fait souvent. Ouh. Il y a des baies aussi. Ah, il faut qu'on fasse qu'on dessine. Ah merde. Qu'on dessine avant qu'il fasse nuit. Très bien. Après, le truc chiant, c'est qu'on n'est pas vraiment protégé. Ici. Genre, enfin oui, il y a le renfoncement. Je pense pas que les animaux puissent nous atteindre. Mais... pas complètement sûr. Par contre, je voudrais bien prendre de la... de l'altitude. Pour dessiner, du coup... non, attends, on va rester là parce que je pense que si je passe par là-dessus, la petite montée, là que je tombe, je ne peux ne pas remonter. Et du coup, ça va nous foutre dans la merde. Parce que dans le jeu, il y a... monter, c'est compliqué. Descendre, c'est toujours très simple. Non. Mais monter, c'est toujours très compliqué. Ça m'a fait peur. J'avais dit qu'on n'était pas protégé ici. J'avais dit qu'on n'était pas protégé ici. On a des caisses, honnêtement j'ai envie de les casser, parce que je suis quasiment positif qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ah, oh, fait chier si on a des loups qui traînent comme ça. Je voudrais bien qu'il s'approche et qu'on le tue, à la limite. Je peux pas m'éloigner du feu le problème, parce que sinon on va avoir froid. De toute façon, la meute va pas nous attaquer, il nous attaque pas seul. Parce que... ils font pas ça, ceux-là. Il y a que la meute, en fait, qui peut être un problème. Mais la meute, on l'a tuée il y a pas longtemps. Donc on risque rien. Si je mets les pots ici, ça sert à rien, on est d'accord. Ouais, séchage terminé à 30%, mais on peut pas sécher. On va laisser les choses ici. Ça va être notre petit coin de rangement, en fait. 23 minutes. On a encore 2 heures de feu. 3 heures.
Il est où l'op? Lapin. Ce qui est bien, c'est qu'on peut dormir dans le renfoncement. Je pense que on risque rien. Ah, très bien. 27 minutes, 5 minutes. C'est quoi ce bruit? Je l'avais pas vu. Faudrait qu'on le tue, lui. Faudrait absolument qu'on le tue, mais bon, faudrait pas qu'il nous sente. Je sais pas honnêtement comment on peut faire. J'ai jamais vraiment chassé de loups gris apeurés, en fait. Ils nous sentent de loin et après ils partent, du coup. Donc du coup, il faudrait s'approcher sans qu'ils nous sentent. Et lui mettre une belle flèche dans la tête. En gros. Ça va être compliqué. Ça va être légèrement compliqué de faire ça. Une belle tempête qui s'annonce, c'est bien. Je vois strictement rien. Ok. Bon, ça va, il y avait rien dedans. Après, bon, l'endroit est ok, hein, ça va. Il y a. On a vu pire, c'est juste que il y a des loups qui traînent. C'est un peu embêtant qu'on puisse pas aller sur le dessus. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un passe. On pourrait se mettre sur le dessus. Après, un truc qu'on peut faire. Non, il faudrait se mettre sur ce siège-là, je crois, pour avoir un peu plus de chaleur. On a combien là? On a 6 degrés. Donc on pourrait dormir dans la voiture. Par contre. Avec le feu allumé. On peut faire ça. Combien pour casser ça? 58 minutes. Oh la vache. Eh bien, on a perdu l'eau et j'ai perdu de la vie aussi. Je pense qu'on va, boire une tisane, je crois, pour pouvoir dormir plus longtemps. Enfin non, pour pouvoir récupérer plus de vie. Parce que là, on arrive à quasiment à 50% de vie, j'aime pas trop ça. À 11h.
Ouais, on va faire ça. Et on va se mettre dans la voiture. On n'a pas besoin de dormir dans le... Dans le... 51 degrés, la vache. On n'a pas besoin de prendre le sac de couchage. Donc... Moi, ce que je veux... Bah, attendez, on va la préparer, en fait. On a tisane ? Merde. Tisane... Ouais, tisane... Voilà. On a le réchauffement et repos amélioré. Ceci vous aidera à mieux vous reposer. Ça s'améliore plus vite chaque heure de sommeil. C'est parti. Ici. On peut même dormir dans le sac de couchage, hein, mais on n'a pas besoin de le faire. 10 heures. Voilà, parfait. Ouf. Ah, on a vraiment bien dormi là en fait. Là on a vraiment bien dormi parce qu'on était full vie je pense et on en a perdu parce qu'on a, on avait plus de... Ah, c'est pas grave. On avait plus de d'eau. C'est pas grave, ça arrive. Mais ouais, on a bien dormi là, on a bien récupéré. Ça c'est cool, c'est peut-être un peu abusé. On a encore 6 heures de feu, c'est vraiment... Ouais. C'est un peu abusé, je trouve. Alors, hop. Hop. Alors, fais voir si on peut avoir quelque chose d'intéressant. Parce que, attends, si je regarde la carte... la carte dit pas grand-chose. Nous, on est... Attendez, on va dessiner ça, genre, fouiller, allumage de feu... Non, moi je veux juste mettre camp, en fait. Terrain de chasse, pas vraiment. Enfin, allez, si, on met terrain de chasse. Terrain de chasse pour lapin. Loup là-bas. C'est un loup gris, c'est celui-là qui arrête pas de venir et de partir. Là, il y a quoi? Il y a l'eau. Ah non. D'accord. Il est encore sur la gauche. Il faudrait vraiment qu'on le tue, lui. Parce qu'en plus, quand il va se... Quand il va être bon, en fait. Enfin, quand la meute va revenir. Du coup, il va appeler tout le monde, donc ça serait vraiment bien de pouvoir s'en occuper maintenant. Mais j'ai aucune idée comment m'approcher. Genre accroupi, et on... peut-être que ça passe. Il y a quelque chose là-haut. Félix d'ange de géolier. Oui, j'étais pas trop confiant. Enfin non, j'étais pas trop joyeux en fait de ce qui s'était passé. Par rapport au fait qu'on avait perdu la flèche, tout ça. Au final, ça s'est bien passé. Allez, vas-y, on va tester. On va voir si on peut se le faire. Vous voyez comme il marche? Là il y a des champignons, on va prendre les champignons.
faudrait bien lui décocher une flèche dans la tête. Merde, putain, là on avait une belle prise. On avait une opportunité, mais c'est genre fraction de seconde. Et là-bas, c'est où c'est qu'on était, je crois. Avec le tronc d'arbre là qui monte, où on s'était mis. Ouais, je pense que là, on a bien fait le tour. Du coup, on pourrait aller visiter à gauche, voir ce qu'il y a. On va d'abord aller se réchauffer. Non, pas fabriqué. Ah oui, c'est vrai qu'on avait trouvé un parka simple. Alors, parka simple, est-ce que c'est bien? Parka simple, c'est tout nul. C'est tout nul. Après, il est à 12%. Je pense que c'est 2 degrés. Je suis pas vraiment sûr, en fait. Après, on peut le réparer. Hein. 50 minutes pour réparer ça, quand même. On avait une torche abîmée. Non? Ah, la torche, elle s'est éteinte. Ah, la torche qui était par terre, en fait, c'était celle-là à 15%. Mais elle s'est éteinte à cause du vent. Et du coup, elle n'a pas été consommée. Encore 5 heures d'eau. D'eau. Ah, de feu. Embêtant de voir ouais non c'était là-bas. Pff, ouais allez, on va voir vite fait s'il y a quelque chose puis après on se casse. Du coup on n'a pas besoin d'aller là-bas parce que c'est de là d'où on vient. Du coup on fait quoi? On retourne vers ce côté là et on prend la corde. À avoir faim en fait. Oh la vache. J'ai l'impression d'entendre autre chose que lui en fait. C'est quoi? Maximum 5 tonnes. Ouh. Pont bloqué. My fingers feel numb.
J'imagine que pour nous, ça sert à rien, pour notre difficulté, ça sert à rien de casser les caisses. Mais là, du coup, ça fait beaucoup de caisses, en fait. Ça fait beaucoup de bois. Oh, so cold. Comme j'avais dit, hein, les petits bouts de bois, c'est bien parce que ça revient en fait. Quand il y a des tempêtes et tout, les petits, ça casse les branches et tout, donc les bouts de bois reviennent. Donc faut utiliser ça surtout en premier. On va aller se réchauffer. J'ai pas à manger. Enfin, j'ai pas à manger. Si, on a les massettes, mais bon. Pas le top. Alors, ce qu'on va faire, je crois qu'on va partir. Je crois qu'on va partir. Très bien. Je pense qu'on va dormir un peu. Et on va partir revenir vers la prison, j'ai envie de dire, en fait. Ouais, revenir vers la prison. Un peu la carte. Genre, nous, on est là, on a vu qu'il y avait ici, escalade. Donc ici c'est pour le ravin. Ah, peut-être qu'on peut descendre dans le ravin. Je sais pas. On n'a pas vu de passage en fait pour aller dans le ravin, donc je sais pas trop. Faudrait voir ce côté-là. Ah, on peut se réchauffer, dormir un peu, remonter là. Voir si on trouve un endroit ou pas. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Ça me paraît bien. Ok, on est dans le bleu. On a encore 5 heures de feu. On va prendre ça. On va faire une série de torches pour se maintenir au chaud. On est à 42. Ah oui, il y a ça aussi à prendre. Et les boyaux, on les prend pas. On est à 45, 95, très bien. Ce côté-là, voir s'il n'y a pas une corde qui descend. Ou alors un chemin qui descend dans le ravin. Parce que le ravin, il y a souvent des choses. La voiture qui tombe et tout ça. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose. Mais sinon, je pense qu'au final, on va juste prendre la corde et retourner vers la prison. Attends. Ah. Ah ah!
Honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans ce ravin, mais... autant visite... Ah, attends, c'est pas le ravin, en fait. C'est le dessus. Ouais, non, mais là, je peux pas y aller. Là. Ah, mais c'est de l'eau qui tombe. Ok, on va pas s'approcher. On va pas s'approcher. Peut-être une grotte à la limite. Il y a souvent des grottes. Ah, massette, ça c'est bien. Vu que pour le moment on a que ça pour manger, on va en profiter. Après, on n'est pas grave hein, pour niveau nourriture. Hein. Si jamais on a vraiment faim, on remonte, on dépose tous les loups qu'on a tués. Enfin, voilà quoi, on est tranquille. Hein. Mais c'est juste que je voudrais avancer parce que bon, découverte, c'est bien. Mais très peu, ce qui est bien. Si jamais on trouve une grotte, on pourra refaire un feu directement avec la torche qu'on a dans la main. Ça résonne. C'est pas mal ça. Ça résonne. Je pense qu'ils viennent de le rajouter. Je crois pas que ça résonnait avant quand on était dans des ravins ou des trucs comme ça. Oh cool. Ah ça, ça valait le coup. Bon, et bon là c'est mort par contre. Du coup... Est-ce qu'on se réchauffe ou pas? Genre je suis en train de me dire, est-ce qu'on fait un feu? On pourrait... là on a la loupe, ça marche. Mais on a la torche aussi. On peut faire cuire un truc, vite fait. Comme ça, ça nous évite d'avoir froid le temps qu'on remonte. Genre on fait ça. Ça à 9 minutes. Recycler. On boit. On ramasse. On prend une torche, on se casse. Et en théorie, c'est comme ça qu'on pourrait faire aussi pour... augmenter notre niveau de feu. Dans la saison 5, j'ai dû le faire à un moment et j'ai dû en parler. Genre, j'avais un feu principal dans la maison, je prenais une torche de la maison, je sortais, j'allumais un feu. Je re-rentrais, je cassais la torche, je crois, ou je sais plus trop. Enfin, le temps de revenir au feu principal, je reprenais une nouvelle torche et après j'allais refaire un feu. Etc. Et je faisais comme ça pendant une petite heure. Enfin, une petite heure, non, moins. Mais en gros, ouais, on peut faire ça. Et puis, du coup, ça permet de monter pas mal de niveaux. Vu qu'à chaque fois, on crée un feu, mais on consomme pas grand chose. Bah, alors, oui, on consomme après des brindilles et tout ça. Donc, c'est pas gratuit non plus. Hein. Mais au moins, on consomme pas d'allumettes. Très pratique. Bon bah du coup on a trouvé un bois pour faire des flèches, très très important, donc ça vaut complètement le coup en fait. Ça vaut vraiment vraiment le coup. Et après on a trouvé des massettes aussi, donc ça vaut vraiment le coup.
Donc là, c'est plus ou moins avoir trouvé de l'or, quoi. J'ai envie de dire. C'est vraiment comme si on avait trouvé de l'or. Donc, honnêtement, super cool. Super cool. On est à 47 kilos. Ça va nous poser problème pour... pour grimper. Alors ça, on peut pas. On peut pas le jeter. Les pots, on les garde. Ouais, non, là, il faut retourner absolument à la prison, en fait. Ouais, non, là, il faut pas faire... Ah, mais ça va, on peut déposer de l'eau et tout. Non, là, il faut pas faire le con. Faut pas non plus tenter l'aventure trop dangereusement. Là, il faut se remettre de bien. Là, il faut repartir à la prison. Faut qu'on pose les pots, faut qu'elles sèchent. Ah, etc, etc. Non, là, faut bien faire les choses. Donc, on va faire ça. Je crois qu'on va peut-être même se balader de nuit parce que je crois qu'on n'est pas trop loin de la prison. Map. Genre on reprend ça et après on est là et on passe par là et là on est prison, hop, comme ça. Parce qu'en fait je voudrais pas trop ouais, 60, je regarde si on a la chaleur. Je voudrais pas trop perdre de temps par rapport au loup, c'est ça le truc. Donc si, j'espère qu'il fera beau. Ah, on a un peu un temps de merde, j'ai l'impression. On a encore 3 heures de feu. On va remettre du bois. Histoire d'avoir encore un feu si jamais on a un problème. Ce qu'on peut faire... C'est aussi ça pour éviter d'avoir froid. J'en ai combien de réserves? C'est où qu'on voit ça? Ah oui. 23. Ah oui, des baies, j'en ai beaucoup. Ah oui, en fait, faut pas faire les champignons, faut faire les baies. D'accord. Bah, faudra faire les baies. Si jamais la meute nous aggro... Par contre, on est dépassé par où, nous? Par là, hein. Oui, on était descendu que par là. Si jamais... Je crois pas qu'on puisse monter là, pardon. Si jamais la meute nous aggro, on retourne ici. Je pense que c'est la meilleure des choses. Ou à moins... On prend la corde et on monte. Ouais, mais bon, est-ce qu'on va être safe en fait? Est-ce que ça va être sans danger en haut? Oh, champignons. Je me rappelle plus où elle était, la corde. La corde, elle était au bout de la route ou pas? Non, hein. Corée qui fait pas très froid. On va pas trop sprinter. Enfin, on va pas s'épuiser au cas où si on tombe sur des loups. Celle-là, on va en avoir besoin du sprint.
Général pénitentiaire par là. Ah mais la corde elle était où? Ah non, la corde elle nous servait à rien. C'était un raccourci. Oh j'ai rien, désolé. J'étais parti dans le délire de ma corde pendant 20 minutes là. Non. La corde c'est juste un raccourci en fait pour revenir ici. Oui, on l'a prise mais elle servait à rien. Il y a un cerf? Sans déconner, il y a un cerf ici? J'ai entendu des galops. Ça galope. Oui, c'est un cerf. Qu'est-ce que ça fout là? S'il y a un cerf, ça veut dire qu'il y a mine. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de... climbing area. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de danger, du coup. Non, on est passé par là. Oh, je crois que là, on est au tout début. Ah, attends, mine là-bas, je pense. Je crois qu'on est au tout début, non? Quand on a, genre, premier épisode... Genre on est passé par là, mais il y avait une tempête. Bon, faut trouver la mine. Bon, changement de plan, on va plus... on ne va plus... Ah, il y a des lapins aussi. On ne va plus à la... au pénitencier, on va faire la mine, parce qu'il faut qu'on trouve un code et tout ça. On a des lapins, très bien. Il nous faut la mine. Comme ça, on peut... Oh, là-bas, ça. Comme ça, on peut déposer nos pots aussi. On a une corde ici, je sais pas à quoi elle correspond. On a une lampe pleine, plus 0,22, je crois, de fuel dans la petite bonbonne, la petite boîte. Donc, on est en théorie bon. C'est pour ça aussi que j'ai commencé à prendre des bouts de bois, si jamais on doit faire des torches en plus. En plus, là, on a une torche en main. C'est très bien. J'espère qu'on va trouver... Ah, c'est une grotte, ça c'est pas une mine. Une grotte de cutie. C'est pas une mine. Il y a du charbon. On va être un peu lourd, 47. Bon, il y a du... Il y a une grotte pour se mettre à l'abri, c'est bon, c'est bien. Mais il faut qu'on trouve la mine. Parce que là, ça serait con. Ou alors la mine, elle est là-haut. Mais ça serait débile. Ah, ils ont dit climbing area. Genre, ouais, mais c'est quoi en premier? Genre la mine ou c'est climbing area? C'est la zone où on... C'est quoi cette zone, en fait? C'est la zone... pour aller miner? Ou c'est la zone... pour aller faire de la corde? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a rien qui m'indique qu'il y a des mines en fait. Ah, peut-être là. Genre, il n'y a pas de chemin, rien. Non. Vous savez, genre dans le canyon des cendres là. Cette zone, c'était... Comment dire? C'était une zone minière, en fait. Il y a plein de, il y avait plusieurs mines et tout ça. Il y avait des lieux, il y avait des petits villages à côté, genre construits à côté de la mine et tout. Là, ça avait du sens, mais là, il n'y a pas, en fait. Ou alors... bon, si jamais on trouve rien, par contre, on va se mettre dans la grotte. Et... Et eh ben ça sera, et on prendra la corde le prochain épisode, je vois que ça. Ah, je voudrais bien aller chasser le cerf par contre. Oh, il y a une corde aussi là.
starting to feel numb. Oh, je comprends plus rien à la map. Ok, donc là c'est de l'autre côté en fait. L'autre côté du ravin. Bon, allez, on va se... On va se mettre à l'abri dans la grotte. Bah merde alors. On va se mettre à l'abri dans la grotte et je pense qu'on va aller chasser les lapins plus le cerf. Surtout le cerf en fait pour la nourriture. Je pense que c'est... Je pense que c'est la meilleure des solutions. Ouais non mais pas là. À moins que ça soit en hauteur la mine. Ah putain, maintenant j'hésite. Non. C'est bizarre qu'ils disent mine et qu'il y ait zéro indication en fait d'une mine. Je sais, on voit rien, vous inquiétez pas, moi non plus je vois rien. Voilà, ça y est, on est chaud. C'est très bizarre en fait qu'il y ait zéro indication d'une mine, je trouve. Genre, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de maison, de cabanon, de conneries, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Donc ouais, je sais pas trop là. Je dirais c'est la corde qu'il faut prendre. Mais bon, la prochaine... Bon, on va s'arrêter là du coup. Mais c'est bête que je voulais vraiment qu'on trouve une mine là sur le dernier moment. On va se mettre dans le coin. On va faire ça. Ça sera plus chaud. On va se mettre là. Donc la prochaine fois du coup... Cela, on n'est pas trop fatigué, mais... Ouais, on n'est pas trop fatigué, en fait, du tout, même. On va faire ça, pour passer le temps. On va se... On va dormir, et la prochaine fois, on va aller prendre... Aller chasser le cerf, c'est le plus important. Pour faire de la viande, surtout. Parce que, en fait, je commence à taper vraiment dans les massettes tout le temps. C'est un peu un problème. On en a 36, bon après on en a trouvé à chaque fois, hein, donc ça va, hein, nos calories, tout ça, on sait les gérer. Mais voilà. Mais voilà, je voudrais... Et puis en plus ça fera une peau de cerf, hein, voilà, ce qui est bien. On en a besoin aussi. Donc ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Ah par contre, je peux faire ça du coup. On peut... Hop, tac, 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 tac. Et tac. Voilà. Tout qui sèche. Donc la prochaine fois, on peut aller chasser sereinement. On peut aller chasser sereinement. Ça, c'est cool. Puis la zone a l'air plus ou moins safe. Je pense pas qu'il y ait d'ours qui vit ici, j'espère. On a des lapins. J'ai vu qu'il y avait deux lapins qui traînaient. On a un cerf un peu plus loin. Donc ça voudrait dire qu'on est plus ou moins ok par rapport au loup gris. Donc ouais. Sac à dos technique. J'avais jamais fait attention. Ok, c'est parti. Bonne nuit à tous, merci beaucoup d'avoir regardé. On va dormir le plus possible, on va sûrement se réveiller avant avant qu'il fasse jour, mais c'est pas grave. Le prochain épisode, on attendra, on passera le temps et on verra comment ça se passe. Ciao, ciao.